Yo tout le monde, c'est Thiab, épisode 3 de cette campagne de Rome de Total War dans laquelle on joue Massilia. À la partie d'avant, on avait pris Octodurus et Coria des mains respectivement des Helvètes et des Rhètes. Et on va faire tomber Noreia des mains des Nori, si je me trompe pas. De la Confédération Celte, autant pour moi. Quelle honte. Alors, par où va-t-on commencer? Déjà, on va vérifier qu'on n'ait pas de construction à faire. On n'en a pas, ça me va. Non, c'est pas ça que je voulais faire, autant pour moi. Et on va voir si on a moyen, peut-être, de promouvoir l'un des nôtres gratuitement. Non, pas possible. Dans ce cas, on va monter. Voilà, deux unités de cavalerie civile à Tolosa. Et passer le tour. On a des bons revenus, hein, 3000 par tour. On avait ouvert du commerce à l'épisode précédent. Et honnêtement, ça se voit dans le revenu par tour, bon, même si là il a un petit peu baissé. Ça faisait plaisir. Phasis, ok. On a les Colchides. Là, on va voir. Ah, j'ai un trou de mort. Trapézos. Ah, purée, j'étais. Bah, je l'avais, mais je sais pas pourquoi. Je me suis dit non, c'est pas ça. C'est pas grave. Requiert l'attention. Phrynée a été aperçue alors qu'elle dansait nue dans les rues lors d'un festival dédié à Poséidon. Cet acte disgracieux offense Poséidon et Athéna. Non? Je vois pas en quoi c'est un acte disgracieux. Elle leur offre une belle vue. Poséidon qui était un sacré pervers, je suppose. Bon, ça me pourrait être assez drôle, ça. Bon. Ah là. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est parti, on se remet en route. On n'a pas de risque en partant par là. Voilà. Attention, le moral qui est bas. Faire attention. On ne va pas avoir de rébellion. Voyons voir si on peut ouvrir du commerce, peut-être avec les Arvernes, enfin, depuis le temps qu'on essaie. Toujours pareil. Je suis sûr que vous. Colchide, ça par contre, ça bienvenue, c'est bienvenue. Fort probable. C'est dans un esprit d'hospitalité olympienne que je vous accueille et que je vous écouterai avec attention. Parfait. Quantité. On exige un petit paiement. 1500. Vous parlez avec impeccable. Sagesse et grâce. Nous acceptons. Ponte. Au nom de l'amitié d'antan et de celle à venir, salutations. À présent, c'est parfait, ça aussi. Cherchons la sagesse ensemble. C'est pas bon. En plus, ils ont du bois, donc ça c'est. C'est une bonne ressource. 2000 déjà. 3000. Oh la vache. Vos mots apportent ils ont accepté 3000, les gars, c'est énorme. Trapézos est un client des Colchides. Puisse Zeus et tous les dieux bénir notre entretien afin qu'il soit profitable. C'est militaire, modéré. Ah. J'ai écouté, j'ai réfléchi. On va voir je si ça passe avec juste un pack de pas manipulation. Je déclinerai simplement avec respect. Non plus. Mon peuple saurait bien. Bon, ça se passe. Et on a ouvert tellement de commerce que on est déjà 3500, 3300, 200 pardon, par tour. Voyons voir, qu'est-ce que je peux faire. On a une belle famille hein, quand même. Hein. Elle est au maximum, elle n'est pas au maximum. Comment ça me coûterait? Ça me coûte cher. 1212, ça passe. 1818, ça passe aussi. Et je vais monter cette armée, hein. Je vais continuer. Voilà. D'ailleurs, je vais changer, je vais reprendre mon général, mon ancien dirigeant de faction.
Voilà. Qui lui peut recruter avec des bonnes stats les unités de corps à corps. Voilà. Ah ouais, ça change tout les gars. Allez, passons le tour. On va recruter une bonne armée à Tolosa là. Ça va faire plaisir. On va se mettre bien. Comme ils diront plus tard avec un fort accent massilianais si je puis dire. Ouais. Athéna pas content, m'en fous, j'ai gagné assez de pognon. Voilà. Non. Même que. Voyons voir. On peut développer, enfin on peut améliorer notre armée des destructeurs d'Enyo. Que d'ailleurs je vais rappeler l'armée de Toto. En l'honneur à l'honneur d'un de mes amis. Voilà, qui m'a laissé un très gentil commentaire disant que hélas je n'avais pas assez d'humour. Ce que je la comprends totalement, Toto. Avec les années, j'ai perdu mon humour et toi tes cheveux. Voilà. C'est avec tout mon amour que je te dis ça, bien évidemment, Toto. On recrute au maximum d'unités ici. Et non, tout le monde dit non, up en ce moment, ce tour-là. Ah, mais c'est vrai qu'il meurt plus vite, donc forcément, il up plus vite également. Rhodes, ils sont bien développés là. On ira sur Chypre également et l'Égypte. À qui on pourra très très certainement ouvrir un autre commerce, enfin une autre ligne commerciale. Autant pour moi. Nos ennemis Non, communs le monde des sous, c'est hors de question. L'Almat Venette. Ah ouais, d'accord, ils ont libéré les Venettes là. Voilà. On va voir notre armée complète. C'est l'hiver, on a encore des revenus potables. Là, ils perdent la nourriture. Ils perdent la nourriture, c'est parfait. Donc on va avancer. En fortification, comme ça, voilà, s'il veut sortir, et bah écoute, avec grand plaisir, mon ami. Enfin, mon ennemi, du coup. voyons voir, est-ce qu'on peut éduquer? Non. Quel dommage. Elle est âgée, 37 ans, 47 ans, 46 ans. Ouais, bah là, 37 ans, c'est la plus jeune. Les antipés attendre un tour et celle qu'on améliorera. Comme je vous dis les gars, toujours améliorer ces dames. Pardon, enfin toujours promouvoir ces dames. Ne le voyez-vous donc pas? Ensemble, nos armées seraient invincibles. Oh merde, Athènes est tombée. Le monde tremblera devant nos deux puissances. Moche. Peut-être envoyer des renforts à Je nos alliés là-bas parce que c'est compliqué. Ouais, bon, on aura bientôt une rébellion. Hop. Au cas où. Ah! Un noble, très bien. Je peux recruter un noble là. Au cas où, je montrais une armée tout à l'heure là. Alors. Position, divertissement. Bon. Ah bah y a pas grand chose. Hein. On va repartir sur notre position, c'est dommage. Coria, on va monter une petite armée de défense. On va dire une... garnison améliorée, voilà. J'ai trouvé mes mots. Quelques hoplites, ça devrait être bon. Je ferai pareil à Octodurus.
participe ici. J'attaque, ça les oblige à sortir. Je relâche, ça fait de l'argent. Nous pouvons suivre cet ordre. Personne n'en réchappera. Et pareil, cette fois j'occupe plus de confédération celte et une cité en plus d'une province. Stand de tir d'élite, bon pourquoi pas. Écoute, c'est déjà construit. Ça va faire plaisir. ça j'en veux pas. Et ça. Je serai un marchand. Amphithéâtre dans un premier temps, il y a du moral bas. Ensuite, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah si, j'ai les séquentes. Faudrait que je m'en occupe une bonne fois pour toutes des séquentes. Hein. Ouais, tu sais quoi, c'est ce que je vais faire. Hop. On va les affamer un coup. Les arvernes. Oh la vache, t'as salutations. Qu'ils sont étendus. Hein. Parlez donc franchement. Putain. Ouais. Ouais, ils sont sacrément étendus. Étendus, pardon. Je vais peut-être devoir aller sur... Ah bah si, ils sont là les Grecs, c'est bon. Je vais y envoyer une armée. Nouvel objectif, oui, parce que du coup j'ai rempli l'objectif d'avoir deux provinces. Ça c'est bien. Hop, hop. Ça c'est bien aussi. Et j'hésite entre des Périclès ou un atelier. Je fais un atelier. Ça changera. Coria, on va attaquer les rebelles. Voilà. Bonjour à vous. Mode agressif. Et bien évidemment, relâche. C'est bien, ça tactique de siège. Faudrait que je prenne ça en vrai. Avec, avec mon dirigeant de faction, mais. Ah, allez. Hop, en parlant de ça. Faut en y pensant. Voilà. Et. Ah, les breus là et tout. J'aimerais bien tracer une ligne droite et faire. Mais. Peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Je peux passer par par ici. Hein. Parce qu'il y a du commerce avec les Dalmates. Non. Et ni avec les Orsi. Qui sont en guerre d'ailleurs contre les Cordiques. Qui s'entendent pas bien avec Sparte. Donc, vous savez quoi pourquoi je veux pas aller au haut de la... Ah voilà. On va se mettre là. On va fortifier. Est-ce que je peux lever une autre? Non, ça aurait été trop beau. Faut pas trop demander non plus. Ici, je dissous. Je monte. Quelques unités de hoplites. Parfait. Et je passe le tour. On a découvert Sidé, mon espion est arrivé à Burzis. Et peut-être même renvoyer mon armée là-bas. Hein. L'ombre de l'ennemi plane sur nous tous. Quoi? Pouvez-vous envoyer une phalange de soldats courageux afin de les écraser? D'accord, bah non. Mais ils sont loin les couches. Enfin, ouais, jeu d'alliance avec, avec les. Votre puissance fait déjà trembler les ennemis. N'allez-vous donc pas leur donner raison en... Ouais, comme ça, ça me fera plus de commerce.
Pas d'autre raison. Rébellion imminente. Très bien. Je vais envoyer eux là. Deux tours. Oh. Hop, direction chez les Dalmates. Oui, je sais, je passe par par chez lui, mais c'est pas très grave. Je passe par les vedettes. On s'y fera, c'est pas. Ah, voilà. Ah, là je peux éduquer, ça me coûte combien? 1300. C'est parti. Consultons les histoires, voilà. Les ragots, j'ai toujours un peu de mal. Allez, on va monter. Ouais, quelques cadavres civils. Là, on est bien, là, on est bien. Oh, pas mal de croissance. On va partir là-dessus. Toi, tu as dû arriver bientôt, non? Oui, peut-être. Toujours pas. Voilà. On pille de la nourriture à nos ennemis pendant qu'on est arrivé à Antioche. Je vois que les Séleucides ont Tarsus, vont reprendre Antioche très certainement. Ouais, bah ça fait ce qu'il faut. Pas un peu pacte de non-agression. Vous avez beaucoup et notre peuple ne veut pas devenir esclave. Pour l'instant, ça me va. L'immigration, ça me va également. Coria, ils sont rebellés. Évidemment, c'est le seul endroit où j'ai rien. Quoi. Hop, Salamis et Tyros. On a découvert les Égyptiens. Eux, ils vont toujours pas vouloir, je présume. Faites-moi part de votre sagesse. Go. Les dieux se... Chypre, allez. Je suis honoré de vous recevoir. Il me tarde d'entendre vos arguments d'érudit et la finesse de vos bons mots. Un moyen de paiement. Parfait. Mon peuple y trouvera beaucoup de joie. J'accepte. Je ferai Sparte. Oh, Sparte, ils ont pris du territoire. On peut faire un accord commercial, c'est bien. Accès militaire, parfait. Mes oreilles picotent avec anticipation. Ça passe tout seul, j'aime. Égypte. Je suis honoré de votre présence. Oh. J'ai hâte d'entendre vos bons mots autant que vos arguments. Accord commercial. Pas une immigration. Ça passe tout seul. Hop, c'est fait. On a encore ouvert des lignes de commerce, c'est magnifique, j'aime. Voilà. Hop, allons embêter les dalmates. Oh. Voilà. En mode embuscade. Et là, un atelier. Voilà, un atelier. Est-ce que c'est bien les ateliers? On peut faire du bricolage. Ça n'a aucun sens, je sais. Hop. 41 ans, c'est un peu vieux, mais bon, allez. Ben, faut bien l'augmenter de rang quand même. Qui es-tu? Ah oui, c'est vrai. Y'a pas pour augmenter le commerce ou un truc comme ça, non? Non? De... Ah, on va faire ça. Généreux, empereur et beau parleur. Hop, ça va partir comme ça. Ah mince, généreux. Pourquoi j'ai mis généreux? Je suis pas généreux, moi, je suis un gros radin. Oh mince, j'ai vu une rébellion, j'avais totalement oublié. Non. Pas de suite. Mais... Ah, il y a du monde maintenant.
Allez, hop. Plus vite, Hermine, comme il dit. Oh, il dit on se bouge, mais bon. On va cavalerie. On fera de l'artillerie un peu plus tard. Là, c'est qui? Il y a qui là? Oh, il n'y a personne. Oh, bah, c'est parfait. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Mais j'ai rien du tout comme traiter avec eux. Allez, arrête. On me met confiance. N'importe quoi. Allez, j'encercle. Ça durera deux tours. Attends. Il y a quand même qu'il n'y a pas de renfort hein, qui peuvent venir de quelque part. Ça n'a pas l'air. Voilà, Alexandria. Ok, hop. On va aller jusqu'à Sirène. Oh, on aura fait un beau tour de la Méditerranée. Hein. Ah, les brosses qui se réveillent, non? Traité de paix? Non. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Une double rébellion quand même ici les gars. Non mais c'est bien, ça permet de juguler un peu. Hein? Attends. Ah d'accord, il est venu me juguler ma propre rébellion. Ah c'est sympa toi. Allez, finissons voir avec eux. Voilà. On relâche, ça fait un peu d'argent. Voilà. Table lancier, bien évidemment. Faut pas déconner non plus. On va voir, peut-on construire des bâtiments? Non, non, et non. Là, ça tombera. Et toi, tu m'aides. Ah, oh, c'est gentil. Bon et noble ami, quel honneur. Ça pue. Hein. On va pas se mentir là-bas, les gars, ça pue un peu. Hein. Il est pas chaud pour faire du commerce. Ouais, on va acheter deux balistes. Et le reste de hoplite. On améliore volontiers. Voilà, pas trop le choix. À finir en autorité, lui. À finir l'armée de Toto en autorité. Pas de traité de paix, justement, j'attendais que ça. Mode équilibré, résolution, et on a gagné. Enfin, on a gagné. On se calme, on a gagné Yader. Je sais pas si c'est un L ou un I. Allez attaquer. Agresseur, Garmante. Défenseur, Syracuse. Bah, bien sûr que j'entre en guerre avec mon monsieur. On occupe. Ah non, je crois que c'était. Expert en siège. Voilà, maintenant que cette armée est complète, je vais la renommer. Bien évidemment, les villes Coyotes. Voilà. Et il me restera le nom pour cette armée. Et pour celle-là. Voilà. Faut pas hésiter à proposer hein, si vous le voulez. Et on fera ensuite des unités à distance. Voilà, de la nourriture, ça va faire du bien, je vois qu'on est un peu léger. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On aura quand même fait ce qu'il faut, on aurait fait le café, on aura gardé déjà Provincia et on aura en plus occupé Raichi et Noricom. Plus pris une toute petite partie de l'Illyria avec Yader. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Tiob. Ciao.